Bonsoir et bienvenue dans le journal de la Cannes. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de ce rendez-vous que vous retrouvez juste après le dernier match sur votre chaîne de télévision préférée NCI qui vous offre la Cannes en intégralité et en haute définition. Ce soir, on va encore décortiquer les matchs de cette journée. Et je suis avec Monsieur Kalou Bonaventure. Bonsoir Kalou. Bonsoir Joël Amos. Bonsoir Nasser Eddy. Bonsoir Joël. Alors pour ceux qui se posent des questions, Nasser Eddy ne vient pas d'Yamoussoukro. Hein. Il n'a pas fait de magie pour quitter Yamoussoukro pour arriver ici dans nos studios. Voilà, je tiens à vous rassurer. Il était au commentaire tout à l'heure avec Yacoub Traoré dans ce dernier match, justement, dont on va parler, messieurs. C'est par ça qu'on va commencer ce dernier match. C'est le match Guinée-Gambie. Je peux me permettre d'employer un terme qui ne va pas vous choquer. Je peux. Chers téléspectateurs, je peux. Ça a failli être soporifique. Alors, ça a failli. Nasser, qui était en commentaire, va me dire si je me trompe en disant ça. Non, vous ne vous trompez pas. Ça l'était. Ça n'a pas failli l'être. Ça l'était, effectivement, parce que ça a été un match hyper fermé, sous un faux rythme, et c'est peu de le dire. Hein. Il y a eu par intermittence, comme ça, par à-coup, des attaques de part et d'autre, ou des tentatives d'attaque. Bon, heureusement, encore qu'on a eu... deux, trois occasions chaudes et ce but-là pour nous donner un peu de baume au cœur. Peu de raison de pousser la voix en commentant parce que ce n'est pas toujours évident. Effectivement. Bonaventure, vous aussi, vous avez pris un peu de mal à vous mettre dans ce match ou alors vous avez trouvé quand même une partie de plaisir? Non, on était en droit d'attendre quand même de ces deux équipes, surtout de la Gambie, qu'elles mettent un peu d'allant dans ce match-là, qu'elles soient un peu plus entreprenantes, mais bon. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai que c'était vraiment un faux rythme. Ça ronronnait un peu. Donc, vraiment, je ne dirais pas par respect pour les 22 acteurs que je me suis ennuyé, mais c'était presque le cas. Ben vous pensez ça tellement fort qu'on l'entend. Allez, on va regarder le résumé de cette rencontre. Donc, Guinée-Gambie, c'est maintenant. Alors, tout ce qu'on lui souhaite, c'est une entrée à la Marmouche hier. Ah oui, forcément. Excellent Marmouche qui nous a offert un très grand match. Et attention à Barrault là. Frappe de Barrault et Ibrahim. Ni au tableau d'affichage, ni d'ailleurs aux occasions très nettes. Et là, attention à Ilex Moriba. Peut-être là, c'est bien joué. Bayon ! Oh, le montant, le pied du montant qui va sauver Gueye sur cette action. C'était bien joué. Monsieur Bou qui laisse l'avantage à l'équipe de la Guinée. Peut-être profitable à Sekou. Le centre en retrait. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire à Guibou ? Là, il s'est mis tout seul en difficulté en... stoppant la course de ce ballon. À l'entrée de la surface des réparations, ça va encore revenir pour Isiaga. Le centre de Isiaga. Avec ces grosses communes de la mégalopole abidjanaise. Attention, pourquoi pas sur cette action, mais là encore, ça ne passera pas à côté guinéen sur cette incursion de Ibrahim Diakité. On ne le voit pas ce soir. Allez là, attention. Avec ce ballon qui a été rattrapé par Yankuba. Mité, le centre de Yankuba, c'était même un tir. Il y a encore 20 minutes pour y croire. Effectivement, mais on ne voit pas la lumière venir. Pas du tout, peut-être avec... sur cette action, oui, elle arrivera, cette lumière, cette fulgurance. Ce but du côté guinéen. Touche pour Guilamogui, vous voyez, ça efface d'emblée trois Gambiens. Pardon. Mokhtar Diakabi. Et là, Guilavogui qui a un peu plus de chance sur cette action. Encore un caviar, un ballon. Et ça n'entrera pas, malheureusement. Il avait encore fait tout le travail servi sur un plateau d'or. Nabi, on l'a dit, qui n'a plus joué depuis fin octobre. Et qui surtout n'a joué que 3 matchs cette saison. Attention sur cette action. Et l'égalisation de la Guinée sur ce coup. Le drapeau s'est-il levé? Oui, finalement. Cet hors-jeu est incontestable. Et un Diakité qui avait jusque-là été remarquable dans ce match, qui s'est fait de façon incompréhensible prendre de vitesse là par Minté, qui a fait une très belle entrée. Pour l'instant, il y a encore un autre ballon qui va arriver. Cette fois-ci, c'est grand poteau à Bli Diallo. Ils sont durs. Hein. C'est lui qui vient toucher le ballon de plus en plus, qui vient organiser le jeu de cette équipe gambienne.
Mais attention, qui s'expose sur cette action. Peut-être le deuxième but, mais quelle sortie, quel sauvetage. Et Naby Keïta peut-être pour le deuxième but. Guinéen qui tergiverse le ballon qui a repoussé. Fasciné Conte prend l'espace et arrive à se débarrasser avec ce coup de rein de son vis-à-vis direct. Malheureusement, il s'excentre un peu trop avec son dribble. Et là, Naby Keïta, ben, c'est... la porte est complètement fermée face à lui. Voilà, on est en train de s'amuser à commenter cette dernière action de Naby Keïta. Alors, justement, on va parler de la Guinée dans cette rencontre. La Guinée qui est donc sortie victorieuse de ce match, je le rappelle. Parfait. 1-0. C'est quoi, c'est flatteur, Bonaventure? Pas vraiment, mais on peut le comprendre aussi. Il leur manque le attaquant vedette qui est blessé. Naby Keïta qui n'a pas beaucoup de rythme. Donc c'est une équipe qui est un peu handicapée, mais qui a réussi à prendre ces trois points-là. Aujourd'hui, ils ont quoi, 4 points? Ils ont 4 points, c'est ça exactement. 4 points, ils ne sont pas loin de se qualifier. Donc voilà, ils ont fait le maximum sans leurs joueurs vedettes. Alors Nasser, vous qui avez commenté ce match, à votre avis, ça a été quoi le point fort de cette équipe guinéenne pour être capable de marquer un but dans ce match qui était très fermé, hein? Ben, je pense qu'elle s'en est remise aux qualités individuelles, tout simplement, de ses joueurs, notamment offensifs. Après, elle s'est laissée entraîner, selon moi, dans le faux rythme imposé par l'équipe gambienne qui a passé son temps à défendre, à tenter par à-coups comme ça quelques offensives. Mais franchement, c'est très difficile d'analyser ce genre de match sur un... mais bien sûr, qui est tellement ennuyeux. Moi, je vais le dire, hein, c'était un match vraiment ennuyeux. On était au commentaire, Yacoub et moi, d'ailleurs, on a beaucoup dégraissé même avec, en évoquant autre chose beaucoup d'autres choses. Ne parlez pas de vos histoires de cœur pendant un match, c'est non, pas mais... tout va bien. Non, mais bon, ben, finalement, voilà, elle s'en est remise aux qualités individuelles, notamment voilà, la remise de Diakité et puis d'un très grand Guilavogui, notamment sur la seconde mi-temps. En tout cas, cette équipe de Guinée, c'est vrai, vous a peut-être déçu, j'en suis convaincu. Mais moi, je me demande, alors pour l'équipe de la Gambie, on espérait, parce que c'est une équipe qui souvent pose. Et puis, elle a un entraîneur qui aime assumer le fait qu'elle n'est pas une petite équipe. Donc là, on a été un peu surpris pour l'aventure. Surtout si on reste sur la CAN de 2018, où ils avaient sorti notamment la Guinée. Ils avaient été conquérants. Il y a eu des matchs ici contre la Côte d'Ivoire où ils nous ont posé énormément de problèmes parce que c'est des joueurs athlétiques, c'est des joueurs costauds, grands. Mais là, aujourd'hui, vraiment, je dis que je n'ai pas reconnu cette équipe-là. Voilà, elle a montré un pâle visage. Pour une équipe qui a le dos au mur, je m'attendais à mieux quand même. Oui, parce que le dos au mur, c'est clair que cette équipe l'était, elle l'avait, parce que clairement, il lui fallait une victoire, ou au moins un match nul pour encore rêver, mais une victoire pour aller de l'avant, et ça n'a pas été le cas, en tout cas, en résultat final. Ça, on peut le dire très clairement. Donc, on rappelle le score final de cette rencontre, victoire de la Guinée sur le score de 1-0. Ça rabat les cartes de ce groupe. On va prendre le temps de développer pourquoi et comment. Mais nous, on va marquer une petite pause. Avant cela, laissez-moi juste rappeler qu'aujourd'hui, on va être encore gentil, on va offrir un téléphone, un Samsung Galaxy Z Flip 5 offert par Porteo et NCI à celui qui aura répondu à la question du nombre de pays qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était au 98-102 et à la fin de l'émission, on va donner le numéro de téléphone du gagnant qui viendra donc chercher son téléphone ici à NCI. Allez, petite pause et on revient. Toujours dans le journal de la CAN et toujours avec Nasser Eddy et Kalou Bonaventure pour parler de cette deuxième rencontre de la journée, enfin deuxième dans l'ordre si on part du bas vers le haut évidemment. Donc c'était le match Sénégal-Cameroun. Alors messieurs, avant qu'on en parle, parce que c'était le choc de la journée, c'était la petite finale, c'était un stade de Yamoussoukro plein avec 19 867 personnes sur 20 000. Sur 20 000, waouh, bravo. Ouais, en tout cas c'est ce qu'a affiché... le tableau de l'affichage, hein, donc voilà, c'est ça en tout cas. C'est ça, mais franchement, c'était plein, c'était beau, il y avait de l'ambiance et il y avait surtout du beau football. Regardez ça.